Salut tout le monde, c'est Kirby pour ce cinquième épisode de mes achats hebdomadaires jeux vidéo. Enfin, pas vraiment achats puisque j'ai fait de la récup chez mes parents. Oui, il me restait encore pas mal de matos. Je vais vous montrer après mes achats. Donc, pour commencer, je me suis acheté un nouveau jeu pour ma collection Sonic. C'est Sonic N sur Engage. Profitez-en, je l'ai acheté à 4€ sur eBay. Donc, 9. Donc, allez-y si vous désirez commencer une collection Sonic ou si vous en avez déjà une. Je me suis acheté un nouveau jeu 360 que j'ai pas encore testé. C'est Cavella Dangerous Hunt 2011 avec dans sa voiture avec 7 accessoires. Je sais pas si le calibrage est top, mais bon, j'aime bien tout ce qui est les jeux avec des accessoires. Sur Wii, je me suis payé The Last Story édition limitée. Je ne sais pas si je vais l'ouvrir, puisque ça, je pense, ça peut prendre une côte. Je sais pas ce que c'est comme jeu. Oh, la honte. Ensuite, je me suis payé sur Nintendo 64 Killer Instinct Gold, Mario Tennis, Yoshi's Story et ce Mortal Kombat Sub-Zero. Je ne savais même pas qu'il existait. Je l'ai testé 5 minutes et vraiment il pue. On dirait un faux jeu d'aventure avec Sub-Zero. C'est pas le charme des Mortal Kombat. Ensuite, je me suis retrouvé une Game Boy Advance SP rose. Sur DS, je me suis payé Superman 64 DS. Ah, le 64, c'est un de mes jeux. Mon premier jeu sur N64 est toujours un de mes jeux préférés. Pokémon Ranger Sillage de Lumière. Call of Black Ops. Et Bomberman Land Touch, le 1. Alors, je me suis trouvé deux jeux PS1. Encore une fois, un Crash 3 Warped. Et un Cool Borders 2. Ce jeu de snow, je l'ai pas mal squatté à l'époque de la Play 1. Sur GameCube, que je recherche. Attends, non, ouais, le troisième est en dessous. Voilà. Alors, sur GameCube, je me suis payé un Sonic Mega Collection pour la collection Sonic, Super Smash Bros. Melee et The Legend of Spyro A New Beginning. Hop, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, sur PS2 maintenant. Saint Seiya Le Sanctuaire, Obscur 2, Battlefield 2 Modern Combat. Et Sonic Mega Collection Plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai trouvé deux jeux Xbox, Serious Sam et Call of Cthulhu. Encore un jeu inconnu. J'ai récupéré aussi de chez mes parents la boîte du Pokémon Stadium 2. Ça, c'est pour la collection Pokémon de ma femme. Sur Wii, je me suis payé un Wii Fit Plus et un Lapin Crétin Chaud. Ça, les jeux Mega Drive, Street of Rage 2. Non, ça c'est un manuel Pokémon Stadium 1. Michael Jackson Moonwalker, RIP Michael. Boogerman, ce jeu je l'avais joué sur PC, je l'avais pas en version boîte, je suis content de l'avoir retrouvé. Ultimate Mortal Kombat 3. Micro Machine Military. C'est marrant, c'est quand la jaquette, en regardant, elle est faite pour jouer à 4. Ça c'est bien. Et Sonic 3, encore. Ça c'est pour ce que j'ai acheté. Après ce que j'ai retrouvé chez mes parents, bah, j'ai retrouvé une Super Nintendo qui traînait. Avec deux manettes. J'ai retrouvé ça. Un adaptateur Master System à mettre sur la Mega Drive. Il y a encore la poussière dessus. Une Dreamcast. Hop, toi tu vas rester là. Un adaptateur Super Nintendo pour jouer à plusieurs, ça c'est bien pour Bomberman par exemple. Mon méga CD pour la Mega Drive 2. Ouais, c'est vous mettez votre Mega Drive dedans, Mega Drive 2. Et les jeux Mega CD qui sont vendus, tiens, j'en montre juste un exemple. Par exemple, ça. Les jeux Mega CD. Hop, ça faudrait que je vais les ranger. Après il y a des zappers. C'est un sac de manettes 64, Super Nintendo, Dreamcast, Mega Drive et tout le tralala. Donc passons maintenant aux dédicaces. Avant de vous quitter, bien sûr, je suis sûr que je vais en oublier. Donc veuillez me rappeler en MP sur YouTube ou en commentaire sur cette vidéo pour que je n'oublie pas. Donc dédicace à Master Actu, à Shinkaba, DigiTwan02,
à Dollar Boy 100, à Adopine pour la deuxième fois, Jeux Vidéo JV, X-Ray et Tarbo. Et voilà pour les achats de cette semaine. Donc, comme d'habitude, à la semaine prochaine pour un autre épisode.